Tu es forcément gagnant dans la guerre, si tu perds, ça baisse l'autorité catholique. Oui, bien sûr. Mais je peux perdre aussi beaucoup d'argent et cet argent j'en ai besoin actuellement pour mener mes guerres justement. C'est là où ça peut être très dangereux. Une petite constance est née, c'est bon, j'ai eu mes enfants. Et donc comme ambition, pour l'instant, je ne peux rien avoir de plus. Bon, mon fils bossu, je suis moins fan par contre. Et les musulmans ont l'air de vouloir venir nous aider là. Je sens que ça va essayer de nous attaquer cette histoire-là. Si on pouvait écraser ces armées, ça irait parfaitement bien. Généralement, on a la première victoire, mais après, c'est pour avoir la suite, hein, que ça passe beaucoup moins bien. Mon neveu. Ça va être compliqué. Ah mince, j'ai pas eu le temps de mettre des généraux. Aïe aïe aïe. Et j'ai l'émir de Cordoue qui me déclare la guerre. Ah mais attendez, si l'émir de Cordoue me déclare la guerre, on est d'accord que je peux engager les ordres saints? Par contre, il va falloir que je surveille les ordres saints. Parce que là, ils vont rien me coûter les ordres saints. Croisade pour Aquitaine. Pour ce chapelain-là, ouais, bah il va se débrouiller, hein. L'Aquitaine, elle sera pour moi. Point barre. Est-ce que je pourrais avoir d'autres ordres saints, s'il vous plaît? J'ai Dortmund? Ah ben oui, d'accord, oui, normal. Allez, lâchez des ordres saints, s'il vous plaît. Assigner un tuteur à cet enfant-là, nous-mêmes serait très bien. Super le pape, ouais, il fait une guerre pour Barcelone et pour deux petits comtés là, donc franchement c'est une guerre inutile. Attention, si tu vas dans un territoire de la guerre offensive, cela va te coûter des ordres saints. Non, pas du tout. Les ordres saints ne me coûtent rien là, hein. Parce que je suis en défense, il me coûte rien du tout. Faudrait récupérer Cuenca, mais ça c'est pas. Pour le reste, ça ira. Oh, par contre, faut qu'on recule. T'es en guerre? Est-ce que je peux te recruter dans ces cas-là? Est-ce que... Attendez. Ok, on va faire comme ça. Je veux pas qu'ils rejoignent, je veux qu'ils soient de mon côté, mais ces armées vont remonter de toute façon, donc ça ira. Là, mes armées remontent, vous voyez, 300... 300 et quelques soldats. Est-ce que je pourrais avoir... Oh, ok, l'usurpatrice demande... Ah non, elle veut se marier à un courtisan, bah si tu veux, oui.
J'aurais aimé plutôt avoir débarqué des armées de plus, mais tant pis. Lui, il a plus de 300 hommes. Oh, je viens d'hériter. Ah ouais! J'ai hérité du comté de Démétrias? De... What? Ah mais là c'est sûr l'empereur il va me détester là. Il va vouloir me défoncer. Et il est toujours héritier du Saint-Empire romain cet homme-là hein, d'ailleurs. Bon. Bah pour le coup, on va inviter un noble, un commandant, et on va lui accorder les titres qui sont d'Irakion, Démétrias et celui de Crète. C'est intéressant hein, parce que ça me permettrait de faire des guerres pas mal loin, mais là pour l'instant j'avoue que... Par contre c'est fou ce qu'on a gagné en points, ça c'est monstrueux. Hein. Les coutumes nobles, ouais. Faudrait pouvoir... Alors lui il met 1700 soldats, moi 1600. Ouais, malheureusement, en libérant le territoire, il a pu finir sa guerre. Ce qui m'arrange en rien. Et les Vaudois posent problème. Mon neveu voudrait être. Non. Alors après, si on usurpe, si on crée le titre d'Aquitaine, est-ce que la croisade sera quand même pour nous ou pas? Parce que là, il le fait pour cet homme-là. Alors est-ce qu'on le tente, voir si le roi nous donne... Oui, c'est bien ce qui me semblait, hein, ouais. Et oui, 900 d'or aussi, ouais. Si je crée le royaume d'Aquitaine. On va le créer. Et cette guerre sainte, elle est pour qui? Pour l'instant, elle n'est pas pour moi. On va la rejoindre, histoire de... Ok, on va se regrouper déjà ici. Chapelain... Tu as commencé à rechercher des progrès culturels, si tu peux changer de religion, ce serait pas mal. On va voir si on récupère les territoires pour nous, ça serait bien. De Sussex pour l'instant mène la bataille. Est-ce que je suis devenu croisé? Ok, je suis devenu croisé. Vous voyez, les ordres saints me coûtent toujours autant. Hein. C'est pas cher du tout. Pas cher la croisade, pas cher.
Et en termes de... On est à 4% pour l'instant, c'est pas énorme, mais ça participe. Par contre, on va peut-être arrêter d'être à la tête de nos armées, ça serait peut-être mieux. Est-ce qu'on peut prendre les ampuries ?56% de score de guerre. Ouais, il faudrait défoncer le Bacha. Qu'il fait cet homme là? Guerre de l'émir pour Aragon et obtenir Nejra. Ouais, faut vraiment qu'on arrive à défoncer. Si on défonce les Oumeyades, on aura des points. Malheureusement, on n'a rien défoncé du tout. Est-ce qu'on a la possibilité de lever d'autres ordres saints? Oui, on peut en lever tout plein. Techniquement, on devrait pouvoir s'en tirer. Allez, on y retourne. Devenir un recroisé juste en sortant dans son jardin, c'est pratique. Ouais, c'est un peu ça, ouais. What? Que font les armées là, pas m'aider là? On n'arrive vraiment pas à passer. Il faudrait capturer le Bacha, ça serait le mieux, mais ça va être le plus compliqué, je pense. La duchesse s'est fait tuer. Pas de bol pour elle, mais. Allez, on a combien d'armées là? Combien on prend? 700 troupes. Est-ce qu'on peut attraper cette armée là? Ok, du score de guerre. On essaye de récupérer encore du score de guerre. Parfait. Allez, un chancelier maintenant. Et si on remporte pas, bah tant pis. Enfin, je trouverais ça dommage, mais bon, ça pourrait jouer aussi en notre défaveur. Et ça serait bien que vous débarquiez par contre les 3000 troupes papales là. Parce qu'elle va être importante cette bataille. Et mon courtisan veut partir. Ma femme est enceinte. Allez, on tient. C'est bon, on a réussi. Ah non! C'est bon, on a réussi. Ouf! Alors voyons voir. En score de guerre, en bataille, on a 9% négatif, ce qui est pas bon. Ça, par contre, on récupère, merci. Les Vaudois font du bordel chez nous, c'est fabuleux. Bon, après, on est sur nos territoires, donc là, théoriquement, notre armée devrait remonter de 700 soldats par mois. Ah, ok, d'accord, ils ont relancé les assauts là-bas derrière. Ouais, on va voir un intendant. C'est compliqué là.
Il nous reste quoi à prendre? On va aller sur Albret à nouveau. Normalement, on devrait pouvoir faire un assaut. Ah! Ma fille pourrait monter sur le trône. Puisque mon enfant est décédé. Et j'ai une petite Marthe qui vient de naître. Alors, j'ai beaucoup d'argent. Oui, mais je l'économise. Pour l'instant, j'en ai besoin. Donc, vous inquiétez pas. C'est pour la bonne cause, on va dire. Alors, on va écraser quelques armées oumayades qui traînent. Allez, de l'argent encore. J'espère une bataille qui sera fructueuse pour nous. Allez, ça passe. On va aider le pape. Avec 84% de score de guerre. Il faut gagner, si on gagne la bataille. Ah non, qu'as-tu fait, pape? Pourquoi t'as pas suivi? Ah, je crois que la croisade est perdue, là pour le coup. À moins qu'on capture. À moins qu'on capture qui que ce soit, y a peu d'espoir. Assigner à la princesse Constance un tuteur nous-mêmes, ce serait pas mal. Et comme ambition, avoir un fils. Non, on va pas avoir de fils, on va pas essayer d'en avoir un. Oui, je sais, mais en fait, je garde ma garde de défense parce que pour l'instant, j'ai besoin de ne pas payer les ordres saints. Tout simplement. L'intérêt est juste là. Bon, ma femme est enceinte quand même. Ok. Ce que j'aimerais bien, vraiment, ça serait qu'on arrive à exploser les armées adverses. Qu'on garde bien nos sièges, en fait. Si on arrive à garder les sièges qui sont ici, on aura un bon score de guerre. Vous voyez, là, on est sur 80, 78%. Si on arrive à remonter. Voilà, 80%. Ok, 82%. Il faut qu'on arrive à garder tous les territoires, mais là, ça va être compliqué. Oh. Après, est-ce qu'on est à combien de participation là? Ah ouais, d'accord, on est premier à 48%, hein. Les autres, ils arrivent même pas à notre cheville, hein. C'est pour donner une idée. Et j'ai un fils, le petit Sigismond, qui vient
de monter, enfin qui montera sur le trône. Alors pour l'instant, il nous manque quoi à prendre? Il nous reste que ce territoire-là à prendre. Si on le prend, on va avoir le score qui va augmenter au fur et à mesure. On est à 100% de score de guerre. Ce qui nous manque, bien sûr, c'est du score. On va se casser quand même. Éviter de se faire attraper nos armées, ce serait pas mal. Après, il nous manque un général ici. Le début, je sais pas, mais là on est en croisade pour l'Aquitaine après deux guerres saintes ratées contre des révoltes. Bonsoir à toi, Tips. Ben là, ouais, on essaye de tenir, mais bon, la guerre sainte, c'est un peu compliqué. Enfin, la croisade est un peu compliquée, puisque les Oumeyades tiennent bien le haut du pavé. C'est ce qui me fait dire qu'on n'est pas encore en bonne position pour vraiment envisager. De vraiment envisager de devenir cathare tout de suite. Ah! Ah! Aïe aïe aïe, mes yeux! Ah! J'ai vu quelque chose que j'aime pas. L'Empire byzantin est détenu. Enfin, l'Empire byzantin et le Saint-Empire romain germanique sont détenus par un seul homme. Le Basileus Antonios de l'Empire byzantin. Et le problème est que nous avons des territoires qui appartiennent au Basileus. Alors certes, il nous fera pas de guerre sainte, mais ça va être une sacrée galère. Oh l'horreur. Je pense que je vais rester de côté. Je vais attendre que mes armées reviennent, parce qu'on peut gagner quasiment 400 hommes par mois, ce qui est énorme. Et on pourrait peut-être faire une bataille ensuite à partir de là. On va aller là-bas derrière. Parce que là, le pape, il va se faire découper. Je pourrais sélectionner mes armées, merci. Regardez, il y a 13 000 troupes encore. Il va venir sur nous. Non, on a perdu. La croisade est perdue. Donc ce que je vais faire, c'est que... Bah d'ailleurs, on perd pas de l'argent là dans cette histoire. On va baisser... je vais baisser mes armées. Et puis je vais laisser le pape perdre bien gentiment. Tu n'as pas de mercenaires libres. En fait, ça sert à rien que j'utilise des mercenaires si l'intérêt n'est pas là, en fait. Madame, vous êtes grosse. Ouais, t'es grosse. Par contre, moi, je veux bien récupérer ça et ça. Dijon. C'est un catholique qui possède Dijon. Est-ce que tu voudrais bien proposer la vassalisation? Non. Tu ne veux pas. Normalement, on peut déjà devenir empereur de France, hein. Le titre de rang est roi. Bah quoi, j'ai deux fois des titres de roi, je suis Aquitaine et Bretagne. Pourquoi je peux pas former le royaume de France? Ah, il me faut un autre titre, ouais, c'est ça. Ah, bon sang, il me faut un autre titre de roi. C'est pour ça qu'il me faudrait la Navarre en fait. Il faudrait le titre de Navarre. Après, il faudrait presque qu'il y ait une révolte là-dedans, mais ça va être compliqué, hein, faut bien l'avouer. Je laisse mes armées revenir tranquillement. On pourrait avoir 17 000 troupes quand même. On va mettre de l'argent dans les bâtiments, parce qu'on a beaucoup de thunes, c'est bien, mais des thunes pas utilisées, c'est pas bien du tout. Plus de cavalerie, oui, ça serait pas mal.
Ça, je prends. Un donjon, oui. Chantier naval, fortification, donjon, oui. Chantier lisse de joutes, ça serait sympa. Ouais, non, ça c'est trop de morale. On n'a pas assez de morale, du moins, et il faut qu'on l'augmente. Sinon, j'ai une idée, deviens vassal de Byzance et convertis-toi en cathare et annonce faussement ta foi et crée la société secrète des cathares. Le problème, c'est que si je joue comme ça, il y a des chances que je sois découvert et que l'empereur essaie, il me dise, t'es pas de... Enfin, le problème de l'empire byzantin, c'est que ça joue sur des vice-royautés. Donc en gros, si tu es roi, si tu meurs, c'est ton héritier, c'est l'empereur. Et c'est très très gênant ça. En gros, tu n'as les titres ne te reviennent pas. Ce qui est... Bah tu comprends, c'est pas vraiment la meilleure des idées quoi. Donc nous on va déjà récupérer Nevers. Bon, paix blanche, échec de la croisade. Bon bah voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et on va voir pour récupérer quelques titres quand même. Il est plusieurs fois duc, hein, cet homme-là. Le Batcha est pas content, hein. Alors, Batcha pas content, Batcha, tu vas te faire voir un petit peu ailleurs, s'il te plaît, hein. T'as pas quelques bateaux pour virer tes troupes, toi? Que dalle. Tu fais chier, Batcha. Bon, on va baisser les troupes ici. Là aussi. Là aussi, même si t'as des bonnes troupes. Et on va se mettre directement sur le territoire. Parce que ça va commencer à bien faire. On va bien en gagner une guerre sainte quand même. Ils sont pas si effrayants que ça. Mettre la France en titre principal, non. Je veux pas la France en titre principal. Ça serait une honte. On est la Bretagne. Alors attendez, cet homme-là va sur Auxerre. S'il va sur Auxerre, on va pouvoir le défoncer. Hein. Allez, tu arrives le 6 avril, donc normalement si je pars le 5. Voilà, il t'a pas de morale en plus. Et merci pour le score de guerre, c'était sympa. Attendez, j'ai 1000 troupes là qui viennent. Salut! Merci, 99%. Ah bah maintenant on va pouvoir remporter cette guerre quand même. Ah non, ce qu'il veut pas, parce qu'on n'a pas remporté de bataille majeure. On a 10% de bataille, les gars. Oh, faut réagir. On a un fou comme chapelain, j'aime beaucoup. Bon allez, on va envisager d'être cathare maintenant, hein, sérieusement. Ouais. On va éduquer les membres de la famille parce que... Mais tu veux pas, parce que tu considères que le Batcha, il peut faire des miracles. Ah bah voilà, quand même, faut pas abuser non plus. Allez mon petit, ça me revient. Alors ça fait partie de quel duché? Duché de Bourgogne. Tiens, Nevers. Ah tiens, tu vas récupérer, accorder un titre, Nevers.
Ça m'ennuie de faire des petites guerres juste pour des comtés, mais quand ça veut pas passer, ça veut pas passer, hein. Ça d'accord. Le chapelain, ça ok. Bon, c'est quand qu'il m'annonce une hérésie